Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer notre escarmouche sur Clash of Popping, la forêt hantée. Nous sommes avec les morts vivants, j'ai pas fait un mode aléatoire, j'ai choisi la couleur rouge pour cette escarmouche. Ça se voit pas beaucoup sur les sadigos, ça se voit bien sur les zombies et ça se voit bien sur les squelettes, mais bien sûr ils sont KO. Hein. Voilà, on se fait attaquer, mais j'ai un bon donjon, un donjon un peu espacé quand même. Mais pas trop mal structuré quand même. Ici je voudrais bien faire quelque chose, mais je... Voilà. De toute façon, au pire on creusera. J'ai fait un piège pour l'instant. J'ai fait la boîte de Pandore. Voilà. Et il me reste... c'est une mauvaise nouvelle. Une étrange odeur se propagea à travers le donjon du mal ultime. Il jura alors qu'à l'avenir, il mangerait moins de flageolets. Connais par cœur. J'avais 3 filons, maintenant j'en ai plus que 2. Ici, je pense que ça va être un piège. Il me faudrait, si possible, porte. Pour l'instant, ils sont en train de faire le piège ici, donc ils ont la priorité sur le piège. Poc est mort. Pour un mort vivant. C'est dur. Il pousse KO. Je pourrais mettre le fléau, mais j'ai pas envie. Question papette ni stupide. Oui, je peux encore en monter. Ici, je garde pour l'augmentation de niveau parce que ça sert à rien d'avoir plus d'évoluateurs, de station de test. Parce que vu que nous avons. Deux trucs et c'est tout pour augmenter. En gros, on a l'attaque et la défense pour améliorer. Ça sert à rien d'avoir, d'en avoir plus, quoi. Les deux squelettes sont pas KO, il y en a un au bas au moins. Non. Il est où? Il est où mon squelette? Dans la dernière demeure. Ah, le couillon! Le vilain! Alors, ce qu'on va faire quand même si c'est pas rentable, pour l'instant, on va faire ceci. On va pouvoir rajouter un de chaque afin d'avoir un peu plus de population. Et est-ce qu'on va aller en haut ou pas? C'est une bonne question. J'aurais dû attendre. Le jour de paix. Jour de paix. On va en monter quand même. Pour l'instant les squelettes, mais on pourra en monter d'autres choses après. Y a plus de sous. Bande de débiles. Et je me fais attaquer toujours par des nains pour l'instant. Toujours par l'Alliance. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Ah, quand même, je me disais. Je
pourrais remonter, ouais. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Ouais, je vais remonter. Vu qu'ils sont 6, 8. Et oui. Je crois que ça ira comme ça. Pour les. Ah, j'avais dit que je pouvais remonter là. Dernière demeure, on va encore la monter. Oh! J'avais pas vu. RT. Oh non. Et puis là, on pourra recompléter parce que ça me servira à rien. À moins qu'il y ait quelque chose par là, mais ça m'étonnerait. Mais bon. Avec le jeu, on sait jamais. J'ai eu un moins 88 en or, je comprends pas. Ah bah oui, c'est normal parce que je paye, c'est rien. 88, non, 80. La boîte de Pandore. Ce qu'on va faire, c'est hop, on va demander à tout le monde de sortir pour attaquer en haut. Voilà, je crois qu'il est temps d'attaquer en haut. Surtout que je voudrais avoir un peu plus de mana, de. Des choses comme ça. Ah, par contre, elle va mourir direct. La pauvre. Voilà. J'enlève mon étendard et on va avancer. Ok, on a des PU. Voilà, c'est Digo. Bah dis donc, viens bien la Sedigo. Bah dis donc, c'est bien, moi elle fait du l'XP. Hop, on va attaquer le nain. Il y a un trou. Ah, et je me fais attaquer en même temps. Hop, le fléau. Vas-y, au hasard, le cuirassé. Il va revenir, le Chivrin. C'est pas grave, de toute façon j'avais dit qu'elle allait mourir. Voilà, donc on a fait une petite avancée quand même. Est-ce que j'ai de la malfaisance? C'est la bonne question. Non, je n'ai pas de malfaisance. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Et je n'ai plus de mana. L'autre mauvaise nouvelle. Il va avoir des araignées pas loin. Allons par là. Oh, il y a des ours. Vas-y, go pour les ours. Jour de paix. Je suis en train de voir qu'est-ce que représente le point rouge. Et un ours de moins. Ah.
Oh là là là. Le gnome, il arrive 3 heures plus tard. Ah oui, je pourrais faire ça. Ouh, le gnome, ouh. Voilà. Bon, on va continuer vers le bas, tiens. Allez, hop. Ah, je me disais qu'il y avait au moins quelque chose ici. C'est sûr qu'il n'y a pas de malfaisance. Ah si. Ah, c'est par... Ok, j'ai 8 par minute. Ouais, c'est ça. Ah, j'aime pas. Alors. Œil de lynx. Hop. Ça me permet de voir un peu plus loin, mais... Finalement... Ah, il y a des... Naf! La tique, elle a fait au revoir. Une batte en guerre, deux battes en guerre, deux fées. Ah, ça sert strictement à rien de les attaquer. Mais strictement à rien. Non, c'est bon. On va les ramener à la maison. Hein. Hop, j'avais vu que j'avais assez de mana. On va ouvrir le piège ici. Je pense, hein, parce qu'il y a deux granites. Voilà. Deux gens pas assez de peau. Je vais quand même demander à. Avoir un troisième poste de travail. Ça ira plus vite comme ça. Donc ici, c'est un peu plus dur. Et en plus, j'ai juste de voir qu'il y a une catapulte. Les vilaines. Donc, ma faisance 8 par minute pour l'instant. Que j'ai un peu plus de sous, un peu plus de mana, un peu plus de tout. Voilà, c'est très gentil de m'avoir permis de pouvoir faire la porte. Un peu de poisson. Alors, lui, je vais le laisser en armure parce que tout simplement il est presque il a presque terminé. On va prendre la tique afin qu'elle puisse faire plus de dégâts. Voilà, il a terminé. On va faire une tique sournoise parce que c'est plus rigolo. La porte a fait 2/3 de recherche et le piège, il n'y avait pas de piège, c'est génial. J'ai envie d'avoir des pièges. Pas ma faute. Et là, j'en ouvre ici. Les pièges. Ah bah, j'ai oublié de compléter ici. On va voir ce qu'il y a là, si j'y suis. Et jour de paye dans 1 minute. Oui, bah je pourrais, je peux en attendant faire 2 tombes. Dit que sur moi c'est bon, mais j'ai plus de sous. J'ai encore assez de mana.
Oh oh. Bah oh oh. Façon de parler. Il y a du mana là. Je regardais juste ici au cas où. Pour l'instant. Il y a encore du granit ici. C'est jour de paix. Ils vont mettre du temps à mettre les 150 dans un secteur. Allez, allez. J'ai ma porte. Hop. J'aurai plus de mana. Et bah dis donc, ils ont fait tout le tour pour ça. Et je vais me faire attaquer. Oh, c'est mignon à part. Après non. Pour une sadico. Ah, y a rien. C'est vraiment pour voir s'il y a quelque chose. Hein. Ah là, il y a du granit. Voilà. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Oh là 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 là. Il est vilain. On va faire ça. Moi, j'ai suffisamment de peau. Tiens, c'est bon. Feignant. Et après cette attaque, on va aller en haut. Ouais, tout le monde va en haut. Et on va pas attaquer en bas à gauche. On va remonter là où il y avait les... comment ça s'appelle? Les ours. Pour avancer. Parce que là, j'ai que 8 à ma faisance par minute. C'est pas beaucoup. Ouais, mais là, je peux pas pour l'instant. Alors, où est... C'est pas ok. Alors, est-ce que nous avons... j'avais dit qu'on avait des araignées et de l'autre côté, nous avons un ent. Ah, il y en a pas mal des araignées. Alors, le fléau. Ah, j'ai pas vu que je me faisais attaquer. Ah, l'erreur. Je regarde juste. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Voilà, maintenant on revient en arrière parce que j'aurais plus assez de gouache. Et on fait un rappel. Oh bah... Vas-y, attaque. Ils ont tué le nain niveau 2, donc ça va. Il y a plein de salades qui va te venir, la tique qui se régénère en plus.
du chaud, mais pas énormément. Là, il préfère aller au bain. Continuons, hein. Ok, bon bah je croyais qu'il y aurait eu des élémentales, mais non, ils en ont pas. Tout bénef, hein. Et puis là, j'ai encore une autre zone de mana. Continuer par là parce que ça m'intrigue le granit comme ça. Bande de feignants. Je suis toujours à 8 malfaisance par minute. C'est jour de paix. Ils ont tous pris leur bas. Une salle a été accidentellement ouverte, libérant d'innombrables araignées. Peur. Peur, peur, peur. Moi j'adore les araignées, mais bon. Hop, je vais prendre la tique, je vais prendre Bren. Cela. Oh non, Apara va prendre son bain. Si je trouve un tome qui me permet d'augmenter mes bonhommes. Ouais. Dégage. Quoi, le cuirassé. Bah, hop, Chebri. Ah, ils ont plus rien à faire. Si, ils vont avoir des choses à faire. J'ai même pas augmenté certains sadicos. Mais oui, bah c'est bon. Je regardais si j'avais lancé l'enregistrement. Au bout de 23 minutes. Voilà. Ouais, toi t'es un peu. T'es pas content. C'est pas grave. Tu vas prendre le bain, c'est pas grave. J'ai pas vu ce que tu voulais. Donc on va voir les araignées. Oui. Ah bah je vais me faire attaquer, c'est bien. Ça va le hibou avec les yeux rouges. Allez, c'est parti. C'est quand même mieux avec le fléau. Oh, une de moins. C'est un nain niveau 2. Allez hop, on attaque les araignées. Allez. La pop des araignées. Alors qu'est-ce que c'est ça? Celui qui a la chair qui guérit. On va prendre. Non. J'ai essayé de l'avoir. Voilà, Bren salade. Allez hop.
Allez, vas-y. Il y a quand même 3 fois que je clique dessus. Ouais. On va essayer d'attaquer l'ent. Généralement, c'est... J'attends juste ce dernier... Bon, bah, c'est pour ça. Ça va, je trouve que... En quelques secondes, on fait pas mal. En 1 minute, on a fait 2/3, c'est pas mal. Non. Je voulais essayer de lancer la lance de glace, mais bon, ça n'a pas marché. Alors, 2 minutes, il a perdu la moitié. Après, est-ce que c'est grâce... Je pense que c'est grâce au fléau. Voilà. Je trouve plus de boulot. Voilà. Je sais pas, fais-toi une vie. La vie de brin de salade. Vas-y. Ah, c'est pas brin de salade, il est là, brin de salade. 36 en XP, c'est pas mauvais. Voilà, donc on a 16 malfaisances en 1 minute, c'est pas mauvais. J'ai juste de voir qu'il y a une elfe. Petit fléau. Mal. C'est pas grave, j'ai fait pas mal de dégâts. C'est ce que je me dis. C'est jour de paix. Ah ouais. La taxe. Et la sauvegarde. Allez, meurs Salette. Ils sont vraiment moches, les elfes. Bon, ça va. Ça va, ça va. Ça arrive, petit à petit. Et j'ai toujours pas assez de peau. Eh ben dis donc. Ça me fait bizarre de me dire que j'ai rien autour des filons de mana. Là, c'est juste pour si elles veulent travailler, elles travailleront pour avoir du mana, c'est tout. Voilà. Pour avoir 2200 de mana maxi, ça va. Mais comme ça, il y en a 2 qui travaillent ici et 1 qui travaillera par là. C'est tout. Je sais pas pourquoi il passe par là. Ils ont un passage? Ils vont ouvrir par là? Je sais pas. On va attendre un peu pour voir qu'est-ce qui se passe, mais... Ça semble un peu bizarre. Il n'y a que du granit ici. À quoi ça sert? À rien. Voilà, bon bah ils m'ont attaqué. Je pense qu'ils sont passés par là.
Et on va se quitter après cette attaque. Ben, ce serait pas mal, non? Des ennemis se sont introduits dans le donjon. À voir. C'est ce que j'avais dit, elle va travailler ici. Hein, Candel? Ils ont plus rien à faire, les fifis! Et pas assez de peau! C'est quand même une petite fille qui a un couteau et une peluche. Quitter là pour la partie 2 de l'escarmouche Clash of... Le trésor a été découvert. Clash of Popping. C'est l'escarmouche La Forêt Hantée. Je vous dis à la prochaine pour la partie 3. Allez, zou.